Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. On parlera notamment du grand chantier de rénovation prévu dans le quartier de Saragosse. C'est la première fois que je vois un petit peu. Le petit trois pièces de Sylvette n'a jamais accueilli autant de monde. Il faut dire que ce balcon au 9e étage de la résidence des Fleurs offre une vue imprenable sur le quartier Saragosse. Vous avez l'école ici, l'école des Fleurs, la MJC des Fleurs et le stade des Bleus juste à côté. Vous savez pourquoi ils viennent faire le tour dans la barre d'immeuble ? Pas vraiment, mais peut-être pour réparer un peu les balcons. Réparer les balcons, restaurer la façade de la tour et plus globalement réaménager l'ensemble du quartier. Un projet ambitieux pour créer une meilleure mixité sociale. Cette friche ancienne résidence universitaire, par exemple, sera détruite. Il y aura ce bâtiment qui sera démoli parce qu'il appartient au Crous. Le Crous doit le démolir pour nous rendre un terrain libre, complètement libre. Et après nous, la ville, avec d'autres partenaires, on va définir le programme. Le programme, c'est-à-dire que ce sera certainement logement, certainement des bureaux, qui n'est pas encore complètement défini aujourd'hui. Ce projet de réaménagement du quartier est soutenu par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'organisme devrait participer au financement des travaux à hauteur de 30 à 35 millions d'euros. Il y a des problématiques ici, elles sont sans doute moins fortes que dans d'autres endroits, en agglomération parisienne, en région marseillaise, outre-mer. Mais néanmoins, il y a quand même des choses à améliorer dans le cadre de vie ici des habitants et puis dans l'intégration de ce quartier dans le reste de la ville. Plus d'un habitant sur 5 à Pau vit dans ce quartier populaire. Ce projet de réaménagement est donc une priorité pour la municipalité. Son coût total devrait avoisiner les 117 millions d'euros.